Erev Tov. Donc on va commencer par étudier d'abord un paragraphe qui figure dans Oroth Israël. Advekut batzadikim, kedeshit koach hametziut shebinishmatam imen Hashemah abilti nishlemet, nichbad meod bemalach yitpatrut anefashot. Ce qui veut dire d'être en proximité des tzadikim, c'est-à-dire d'être proche des tzadikim, afin que notre existence, nous en tant qu'élèves, se mêle avec l'âme du Rav. C'est-à-dire notre âme qui n'est pas tout à fait encore au point, parce qu'on n'est pas tout à fait développé, on commence nos premiers pas dans la crainte de Dieu, dans la foi, etc. En étant en proximité d'un grand Talmid Chacham qui, lui, est bien élaboré, cela entraîne que notre âme, qui est imparfaite, se parfait de plus en plus grâce à la proximité de ce rabbin. Donc c'est quelque chose de très honorable, de très souhaitable dans la démarche du développement de notre personnalité. Maintenant, d'où on sait qu'il faille le faire? Il est marqué dans la Torah, Et Hashem Elohecha tira, ce qui veut dire, tu craindras Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a marqué et. Et, c'est un mot de conjonction qui est de trop. On aurait pu marquer Hashem Elohecha tira. Donc, Chazal font une dracha, que ce mot et vient inclure encore une chose. Qui faut-il craindre à part Dieu? Ben, c'est assez surprenant. Les Talmidei Chachamim. Chaque fois qu'il y a un et dans la Torah, c'est pour inclure quelque chose de plus. Comme il est marqué, Kaved et Avicha Vetimecha, tu respecteras ton père et ta mère, mais marqué et, qui est un mot de conjonction qui apparemment est superflu. Donc Chazal font une dracha. Et, ça vient inclure aussi ton grand frère et ta grande sœur, etc. Maintenant, comme on le sait, c'est marqué dans la Maseret Kiddushin, celui qui a fait la dracha de tous ces et dans la Torah, c'est le Rav Shimon Hamtzoni. Et à chaque et, il a trouvé une dracha. Quand il est arrivé sur ce passouk, et Hashem Elohecha tira, là il a été tout d'un coup immobilisé. Il dit, mais qu'est-ce que je peux inclure de plus que Dieu? Sa crainte était de, si je vais inclure le rabbin, peut-être que les gens vont développer une approche envers le rabbin comme envers Dieu, et on risquerait d'arriver à une certaine idolâtrie du rabbin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé tous ses chidushim, tout ce qu'il avait écrit, qu'il avait expliqué les mots et dans la Torah, il les a tous effacés pour ne pas tomber dans ce piège qu'on en arrive à déiser un homme. Ce qu'a venu Rabbi Akiva, Védarache et les rabbins Talmidei Chachamim. Sans aucune crainte, il faut avoir une approche de crainte envers les Talmidei Chachamim. Comme Rabbi Akiva, les épaules assez larges. Maintenant, de quoi a eu peur Rabbi Shimon Hamsoni? Eh bien, exactement de cela que parfois, il y a un rabbin avec un charisme extraordinaire, autour de lui, il y a plein d'adeptes, et finalement, ils en arrivent à perdre leur personnalité, de s'annuler totalement, et de développer une approche d'intimité très très profonde, à tel point d'effacer totalement leur personnalité. Et c'est de cela que le Rav Kook veut parler dans cette piska. Donc, il commence d'abord par l'aspect positif, qui, comme on le sait, n'est pas une invention du mouvement chassidique. Le fait qu'il y ait un Ravi au centre, avec des milliers ou des millions d'adeptes, qu'il adore et qu'il admire, et qui sont même avalés dans sa personnalité, c'est marqué dans la Torah. Est-ce que ça doit être de cette manière? Évidemment que non, mais le fait qu'on ait une approche d'admiration et de crainte des Talmidei Chachamim, évidemment, c'est quelque chose de très positif, très souhaitable, très honorable, et c'est presque même incontournable si on veut véritablement développer notre propre personnalité, si ce n'est qu'en étant en proximité de quelqu'un de noble, de grand, de pur, et c'est comme ça qu'on apprend de lui comment élaborer notre personnalité. Donc c'est ce qu'il a dit dans la première phrase. Advekut bet tzadikim, le fait de se rapprocher des tzadikim, d'être en proximité des tzadikim, afin que l'existence de leur âme, qui elle est parfaite, se mêle avec l'âme imparfaite de l'élève, et d'avoir nirbad, c'est quelque chose d'honorable.
Bemalach et Patrut Anefashot, dans la démarche du développement de nos âmes. Aval Sarir Shmira Gedola. Et là commence le grand mais. Dit le Rav Kook, ceci dit, cela nécessite une protection spéciale. Shimit Ebet Tzadik. Si l'élève viendrait à se tromper de tzadik, en fait il veut dire par là se tromper dans son approche envers le tzadik. Vidabek bo dvekut primit avayatit, il en arriverait à s'accoler au rama d'une proximité intérieure existentielle. Ça veut dire de s'annuler totalement, de perdre totalement son autonomie et de fondre totalement dans la personnalité du rabbin. Sachez-le que c'est plus ou moins la théorie du mouvement chassidique. Il prétend la chose suivante. Lorsqu'un homme s'élève vers Dieu, c'est une manière de parler évidemment, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'élève vers Dieu? Qu'il a des pensées hautes, des pensées nobles. Tout se réalise au niveau de la pensée. Maintenant, si la pensée de l'individu s'élève, s'élève avec la pensée, tous les membres de l'individu, tout ce qui constitue cet individu. Donc, la pensée s'élève et élève avec elle tous les éléments qui constituent la personnalité, aussi bien corporelle que psychologique, que mentale, etc. Donc, ils disent les chassidim, nous, on n'est pas capable de nous élever tout seul. Le cerveau de notre communauté, c'est le rabbin, le rabbi. Lui, il s'élève, lui, c'est quelqu'un de saint. Et nous, on est accrochés à lui. Donc lorsque lui s'élève, automatiquement nous on s'élève avec lui. Donc pour ainsi dire, si on compare à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, lorsque le cerveau, la pensée, l'intellect s'élève, alors l'oreille s'élève, le nez s'élève, les pieds s'élèvent, le pouce de l'orteil, l'orteil du pied s'élève, tout s'élève. Alors dit le chassid, eh bien moi je serai l'oreille du rabbi, le pied du rabbi, l'orteil du rabbi. Je ne vis que pour le rabbi, je ne vis que par le rabbi, je suis totalement intégré dans sa personnalité. C'est le seul sens de ma vie. Et donc, en étant autour de lui, lui, il s'adonne totalement au service divin. Je fais du stop et je suis élevé avec lui. C'est le fondement de tous les mouvements racidiques. Et bien, cette approche, le Rav Kook vient la critiquer. Il vient dire par là que la volonté d'être en proximité avec un rabbin, c'est quelque chose de très positif, et c'est la seule manière de s'élever. Seulement, il ne faut pas arriver à l'extrémisme de s'annuler totalement dans la personnalité du rabbin, d'intégrer la personnalité du rabbin, de fondre dans la personnalité du rabbin. Ça, c'est une erreur. Car quel est le problème? Mis à part le fait que tu as perdu ton autonomie, et donc tu ne penses même plus à t'élever parce que comment essayer de m'efforcer puisque lui il me tire de toute manière. Donc tu peux rester toute ta vie quelqu'un de pas tout à fait élaboré au point de vue de tes vertus, au point de vue de tes connaissances, de tes comportements. Mais ce n'est pas le seul problème. Un autre problème est que il risquerait aussi de s'accoler aux défauts du rabbi. Dire bah, le rabbi n'a pas de défaut. Eh bien si. Dit David Ameler, qui a Adam, un tzadik baaretz, ashaya asetov velo echeta. Ça n'existe pas dans ce monde, un tzadik, qui fait le bien et qui ne faute pas. L'homme, nul n'est infaillible. Il n'existe pas d'homme qui ne fait pas de faute. Faute de comportement, faute de trait de caractère, faute de conception, faute de sentiment, faute d'aspiration, peu importe. Chacun de nous, nous avons nos faiblesses. Même l'homme le plus saint, à la hauteur et la cime la plus haute de sa sainteté, eh bien lui aussi il peut avoir certaines faiblesses. Mais pas de problème, lui il sait gérer sa monture. Parce que d'abord et avant tout, la grosse majorité de sa personnalité est totalement pure et sainte et noble, et que quelques pacotilles de sa personnalité sont faibles. Secondement, même les faiblesses de sa personnalité, il s'en sert à bon escient pour le service de Dieu. Je donne un exemple. Supposons que ce rabbi, lorsqu'il est né, depuis sa tendre enfance,
il avait une tendance de fainéantise. Donc, il a essayé de travailler sur lui et de se renforcer. Et malgré tout, il reste encore quelques impressions faibles de ces tendances de fainéantise qu'il n'arrive pas encore à s'en dégager. Pas de problème. Il se servira de sa fainéantise pour servir Dieu. Comment cela est-il possible? Supposons qu'il est au lit, sous les couvertures, et bien au chaud, il fait froid dehors, et que tout d'un coup lui passe par la tête une sale pensée de vouloir faire une avéra. Ça arrive à tout homme. Et pour faire cette avéra, il faut se lever du lit, s'habiller, je ne sais pas, prendre la voiture et aller rouler 10 km pour assouvir son envie. Alors à ce moment-là, il va se dire, ouh, je suis fatigué, je n'ai pas la force. Ça veut dire, il déclenche à ce moment-là cette faiblesse de personnalité qui est la fainéantise pour s'empêcher de faire une avéra. Donc même les aspects négatifs de sa personnalité, qu'il n'a pas encore réussi à corriger, il les contrôle. Il les focalise et les aiguille vers le bien, pour s'empêcher de faire du mal. Et ainsi de suite, dans tous les traits de caractère. Donc lui, le rabbi, l'homme saint, il sait gérer sa monture. Mais celui qui commence ses premiers pas dans la crainte de Dieu, dans la foi, et qui vient en proximité du rabbi, d'Afka, pour élaborer sa personnalité, ben, il n'en est pas au même niveau. Il est au niveau 1, et le rabbi, il est au niveau 1 milliard. Donc d'abord, du point de vue quantitatif, ce n'est pas tout à fait évident que la majorité de sa personnalité sont des éléments positifs. Très souvent, ça peut être le contraire. Et certainement qu'il n'est pas à même encore de gérer sa monture et de se servir de ses faiblesses pour servir Dieu. Il ne sait pas le faire. Donc, le danger est que étant empli d'admiration envers ce rabbin, de manière consciente ou inconsciente, il va en arriver à imiter le rabbin dans tous ses comportements. Des fois même par les gestes, vous voyez parfois un enfant qui revient du Gan, il raconte à ses parents une histoire que la Ganénette leur a racontée. Et bien il la racontera avec la même mimique que la Ganénette. Parce qu'il aime tellement la Ganénette que sans se rendre compte, lorsqu'il rapporte ses paroles, il imite. Il y a une tendance toujours à imiter les gens qu'on admire. Donc sans aucun doute, cet élève qui est proche du rabbi et qui l'admire, il imite dans sa mimique, dans sa manière de parler, parfois dans sa manière de se raser, parfois dans la manière de mettre son chapeau, la manière de mettre son pantalon, et même dans ses comportements. Donc il suffit que par exemple ce rabbin ait une tendance un tout petit peu de violence, ça peut arriver, qu'il n'a pas réussi encore à corriger. Alors il parle parfois avec un style un petit peu trop aigu, trop pointu, et bien il imite, alors que c'est une faiblesse. Et s'il n'a pas réussi encore, je ne sais pas, à établir des relations parfaites avec sa femme, il ne sait pas parler de manière douce, parce qu'il n'a pas réussi encore, après 10 ans, 20 ans, 30 ans de travail, et bien l'élève risque aussi d'imiter cette faute. Et ainsi de suite, je ne vais pas continuer la liste, parce qu'elle est interminable. Et donc, et de s'écrouler. Parce que lui, il n'a pas tout le bagage spirituel de sainteté qu'a l'homme original, le rabbi. Donc, il risque de s'écrouler sous le fardeau de l'imitation des manques et des fautes du rabbi. Donc, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Vidabek gamkem bechesronotav. Il risquerait aussi de s'accoler aux manques et aux défauts de ce rabbin. Vemifalo lifamim. Et ses fautes et ses manques et ses défauts peuvent œuvrer parfois à la dabek, à celui qui s'accole, c'est-à-dire à l'élève, bemida groa arbe mimashem poalim alaish amekori, de manière bien pire que ce qu'elles agissent sur l'homme original. Comme on a dit donc, on résume, le rabbi qui est un homme saint, avec une grande majorité de positivité, essaie de gérer sa monture, et même les faiblesses, il s'en sert à bon escient au service de Dieu. Mais celui qui est dans ses premiers pas, dans sa démarche de la crainte de Dieu et qui essaie d'imiter le rabbi, il risque d'intégrer en lui les défauts du rabbi et il ne sait pas comment les gérer. Ça va se rajouter dans la balance de ses mauvaises actions et de ses mauvaises vertus et ça va l'écrouler totalement. Donc, quelle sera la solution?
Ben, de se trouver un rabbi qui n'a aucune faute. Reste à savoir si ça existe. David Ameller dit que ça n'existe pas. En tzadik bar et tashriya se tov et lo echeta. Non seulement ça n'existe pas, un homme qui fasse le bien et qui ne faute jamais, mais même quand il fait le bien, Ashriya se tov et lo echeta batov. Même quand tu fais le bien, des fois dans le bien, tu as une faute. Je donne un exemple. Quelqu'un t'a demandé de l'aider. Il a un problème financier, il est dans la dèche. Toi, tu as été sensibilisé et tu l'aides. Tu commences à lui signer un chèque et tu l'aides. Il a fait une grande mitzvah. Et à ce moment-là, pénètre dans ta cervelle une pensée pas très propre de dire toi, maintenant je l'aide. Et la vie est une roue qui tourne. Aujourd'hui, lui il est en bas et moi je suis en haut. Va savoir. Demain, moi je serai en bas et lui sera en haut, il m'aidera. Ce n'est pas une pensée sale, mais ça a porté atteinte à la pureté de ton action. Jusqu'à là, ton action était totalement pure, désintéressée totalement, que par l'amour du bien, l'amour de Dieu, l'amour de l'homme, l'amour d'Israël. Et tout d'un coup, il y a un parasite qui s'est accolé à ce comportement. Une pensée pas tout à fait pure. De laquelle le Maharal, le Ramchal, dans le Sidat Hicharim, nous éduque à s'en écarter dans la Tahara, c'est-à-dire la pureté de la pensée et des intentions dans le comportement. Donc, ça n'existe pas un homme qui ne fait que du bien sans faire de faute, et même malheureusement, même dans le bien qu'il fait, parfois il y a des petites impuretés. Donc trouver un rabbi parfait, ça n'existe pas. Dit le Rav, pour conclure, Ashrehem Israël, Shen Vekim Benishmat Auma. Heureux sont les enfants d'Israël qui savent s'accoler à l'âme de la nation. Shehi Tov Mukhlat, qui elle seule est le bien absolu. Lishov Aliada Or Hashem Atov. Afin de puiser par son intermédiaire la lumière de Dieu et du bien. À propos de l'âme d'Israël, Akadosh Baruch Hu en témoigne. C'est rapporté dans Shir HaShirim. Kulach yafa rayati umum en bach. Ce qui veut dire, tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a aucun défaut en toi. Donc ce n'est pas nous, avec notre appréciation humaine, qui arrivons à cette conclusion. C'est Dieu lui-même qui pénètre les cœurs et qui sonde les reins et qui connaît toutes les pensées, etc. Dieu témoigne que l'âme d'Israël, l'âme de la collectivité d'Israël qui traverse toutes les générations, Nishmat Haouma, qui s'appelle Knesset Israël ou qui s'appelle aussi la Shrina, elle, elle est la perfection totale. Donc, envers cet objet qui s'appelle Knesset Israël, tu peux développer, et même c'est conseillé de développer, une approche de Dvekut Pnimit Havayatit, de laquelle le Rav Kook a fait une critique virulente quand elle est orientée vers un rabbin. Envers un rabbin, en aucun cas, Dvekut Pnimit Havayatit. Ça veut dire une proximité intérieure existentielle. Il faut toujours garder une certaine distance et toujours un esprit critique envers qui que ce soit. Jamais avoir une approche aveugle envers aucun homme. Évidemment, on ne va pas développer une paranoïa de soupçonner tout homme de saleté, d'impureté, etc. Notre approche est de faire confiance, et de l'aimer, et de respecter, et de penser que tout le monde est propre. Mais malgré tout, on est toujours sur nos gardes. Et quand on voit quelque chose qui nous paraît bizarre, on n'avale pas automatiquement la chose. On va prendre conseil avec un autre rabbin. Que pensez-vous de ce comportement? Que pensez-vous de cette idéologie? Et on prend un autre conseil, un troisième conseil, un quatrième conseil. Et jamais on est obnubilé par la personnalité de quelqu'un et de dire tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il fait, c'est la perfection totale. Non? En grande majorité, je l'admire, même je le crains, j'apprends de lui énormément de choses. Mais je sais par avance que tout homme est faillible. Donc parfois, il y a des déviations.
des fois, il sort des rails. Ça peut arriver ponctuellement. C'est-à-dire, globalement, j'ai affaire à quelqu'un de saint, de noble et de pur. Ponctuellement, il y a un comportement qui n'est pas tout à fait au point, et donc, je n'y adhère pas. Je n'opte pas pour ce comportement. Je n'adopte pas ce comportement automatiquement. Il se peut qu'il ait eu raison de le faire et qu'il y ait un fondement dans la halakha, donc je dois aller élucider la question en prenant conseil avec une tierce personne, un autre rabbin. Donc jamais, jamais, jamais envers aucun être humain, le plus saint soit-il, d'écoute pnimit avayatit. Mais envers Knesset Israël, c'est-à-dire la globalité du peuple d'Israël, la totalité d'Israël qui traverse toutes les générations, là il faut, lui, avoir une approche de fondre totalement ma personnalité dans cette personnalité collective. Et c'est ça ce qu'on va étudier dans le chapitre prochain. Maintenant, soit dit en passant, avant de commencer le chapitre prochain, si tout le monde développait une telle approche, ça éviterait pas mal de drames et de catastrophes. Trop souvent, malheureusement, on entend dans les médias des affaires vraiment sales de certains rabbins envers leur secte qu'ils ont développée. Un abusement financier, un abusement sexuel, etc., etc. Comment les gens sont-ils arrivés à être aussi nouilles et de se faire embobiner et de se faire abuser? Et c'est par le fait qu'ils ont développé une vekut pnimit avayatit. Ça veut dire une approche totalement aveugle, sans esprit critique. Si tout le monde gardait avec vigilance son esprit critique, eh bien, tous ces sectes n'existeraient pas. Malheureusement, sachez qu'il y a seulement en Eretz Israël des dizaines ou même des centaines de sectes. Vous n'en êtes même pas au courant, il se peut très bien qu'un membre de votre famille, un cousin, un ami, etc., appartient à une secte et il est totalement dans le cirage. Et ce n'est que quand ça arrive à un extrémisme que vous en rendez compte. Mais parfois, ça peut prendre un an, 2 ans, 10 ans avant qu'on décèle le problème. Donc il faut faire très attention, être aux aguets et avoir le doigt sur le pouls pour ressentir où s'en trouvent les gens qui sont dans l'environnement et les sauver de tous ces arnaqueurs qui se font passer pour des grands rabbins et des grands saints, etc., en mettant un drap sur la tête et en distribuant des brachot avec des bouteilles d'arak et toutes sortes de manipulations mystiques bizarroïdes qui font tomber les nouilles dans leur piège. Mais non, si on éduque les juifs aujourd'hui à s'écarter d'une telle démarche, d'une telle approche, on peut sauver comme ça des milliers et des dizaines de milliers de catastrophes. Ça commence à faire trop mal au cœur, toutes les sales histoires qu'on entend dans les médias, parfois une fois par mois, une fois tous les 2 mois, d'un rabbin qui était admiré, qui finalement s'est avéré comme quelqu'un qui abusait sexuellement des femmes qui l'entouraient, des fois même les femmes de ses élèves, des choses horribles, comme l'histoire de ce salaud de Scheinberg là, qui était à Tzfat et qui finalement est rentré en prison pour 7 ans, mais malheureusement qui en est ressorti, et a priori il y a de fortes chances qu'il va récidiver, et encore une fois, regrouper autour de lui un troupeau de nouilles qui vont l'adorer et l'admirer, et encore une fois, s'en servir à mauvais escient. Donc, je vais faire la parenthèse, c'est pas de ça que le Rav Kook parle, mais c'est très important de savoir. Rav, je voulais vous demander quelque chose. Oui. Pourquoi parfois le grand rabbinat préfère taire ce genre de choses? Non, jamais il fait taire ce genre de choses. Peut-être pas le grand rabbinat, mais des plus importants que ceux qui font ce genre de choses. Comme dans le catholicisme, les prêtres, le pape, quoi. Donc, C'est une fausse démarche. C'est de la faiblesse de caractère. Mmh. Par exemple, dans cette histoire de ce pseudo Rosh Yeshiva de Tzfat, celui qui a démantelé toute cette secte, c'était le Rav Shmuel Eliyahu Navi. Le Rav Shmuel Eliyahu, qui est le fils du Rav Mordechai Eliyahu, qui lui n'a pas froid aux yeux, qui n'est pas un peureux et qui n'a pas eu peur d'affronter, sachant par avance qu'il risquait sa peau, parce que les adeptes sont aveugles. Et donc quand on commence à accuser le rabbin, ils peuvent être violents. Je pensais à la dame qui est la fameuse dame qui a fait des abus sexuels là, qui est
en Australie qui doit être jugée, là. C'est horrible ce qui s'est passé, là. Il y a tous les jours des histoires comme ça. Donc, La rabbinite, là, je je ne sais sais pas pas de comment quoi il elle s'appelle. s'agit, mais il y en a tellement qu'on perd déjà le contrôle tellement il y en a des histoires pareilles. Ouais, Mais tout c'est découle de vrai. cela. C'est d'avoir développé une approche de fondre totalement dans la personnalité du rabbin. En plus, il faut savoir, non seulement celui qui fait ça rentre en danger, mais lui-même rend le rabbin victime. Parce qu'il faut savoir, si déjà on a parlé de ça, j'ouvrirai un peu plus la parenthèse. Ce qui empêche les gens de faire des fautes, en l'occurrence dans les attirances sexuelles. L'attirance sexuelle est une des forces les plus fortes qui existent dans l'homme. C'est une bombe atomique. Ce qui l'empêche de pécher, c'est deux facteurs. La crainte de Dieu et la crainte des hommes. Quel est le facteur frein le plus fort? La crainte des hommes. Avec Dieu, on s'arrange. Mais avec des hommes, on a honte. Qu'on nous fasse un shaming dans le Facebook, etc. Et on ne peut plus foutre notre visage dehors. Donc, on a la honte. Donc, le frein essentiel, je dirais presque à 90%, c'est la crainte des hommes. Mais alors, si ce bonhomme a autour de lui une bande de nouilles qu'il adore, qu'il admire, qui ont totalement annihilé leur esprit critique, eh bien, il n'a plus de frein. Donc lui-même devient une victime de cette approche. Et je dirais presque à la rigueur qu'il n'a aucune chance de ne pas fauter. Donc c'est doublement une faute d'avoir une approche pareille. Toi, tu te rends en danger, et même quelqu'un qui a priori est quelqu'un de normal et de pur, qui essaie au moins d'être pur, on le rentre en danger avec nous. On le rend victime de notre approche. Donc en aucun cas, envers aucun être humain dans ce monde, dvekut, pnimit, avayatit. Ce qui est malheureusement le cas de tous les mouvements chassidiques confondus. Et après, le rabbi meurt. Ah non, il n'est pas mort, c'est pas possible. Parce qu'on était convaincu que c'était le Messie. Et le Messie ne peut pas mourir. Donc il n'est pas mort. C'est une illusion optique. Il est encore vivant. Il y a des communautés, jusqu'à présent, des fous comme ça. Tous les Shabbats, ils font monter le rabbi de Lubavitch à la Torah. Yahamod, Rav Menachem Shrentzov, etc. Ils se lèvent tous, silence total, ils passent entre les rangs. Après, on fait soi-disant d'écouter qui fait la bracha. On répond Baruch Hu Shemo Amen. Et à la fin, pareil, et on attend qu'il aille s'asseoir. Ils vivent vraiment dans le cirage, dans des hallucinations totales. Ils ont perdu la cervelle. Donc, heureusement, c'est une toute petite quantité de fous, ce qu'on appelle les méchiristim. La grande majorité ne sont pas comme ça, et surtout pas les Talmidei Chachamim, etc. Mais il faut savoir que ce danger existe. Donc, envers personne. Le Rav Tzvi Yehuda, il était très très catégorique dans ce domaine. Quand il ressentait qu'un élève développait envers lui une approche comme ça de trop d'admiration, il le grondait de manière tellement violente que le bonhomme ne penserait plus pour la vie entière d'avoir une telle approche envers lui. Et c'est comme ça qu'il le vaccinait pour l'éternité. Le Rav Kouk idem. Une fois, il a voulu organiser un grand événement, etc. Donc, il y avait des adeptes autour de lui qu'il aimait beaucoup, etc. Mais ils ont dit, mais ceux-là, ils ne sont pas des nôtres. On ne va pas les inviter. Alors il les a grondés très fortement. Alta asuli kukistim. Ne me faites pas des kukistes. C'est-à-dire des adeptes aveugles du Rav Kouk. Anachnou klal Israël. Nous sommes ouverts à tout le monde. Et jamais on n'a prétendu que le Rav Kouk n'est le Massiar, ni un prophète, ni rien du tout. C'est un très grand ami de Raham que Dieu a envoyé pour nous éclairer dans la résurrection nationale de notre peuple. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre ce que le Rav Kouk nous demande, lui, de faire. D'avoir une approche totale envers Knesset Israël. Alors regardez, c'est pris du même Il y livre. a des questions, je crois. Oui, j'attends avec impatience. Qui veut poser une question? Dans le cas où on a une connaissance, Est-ce que je peux voir votre visage? Qui c'est qui parle? Comme ça sera plus sympa. Comment vous appelez? Je ne vous vois pas sur le. je vais lui apparaître. Qui c'est? Je vais la caméra. Top. Il serait chelou, je suis Ah, à la Shemla. Michelin. Vas-y, ah, je te vois. Ah, salut. Je te reconnais. Vas-y. Dans le cas où il y a une connaissance à nous influençable ou qui a vécu
des choses dures, tout ça, qui se fait entraîner dans l'une de ces communautés sectes, comme ça. Ouais. Comment partir? Comment Bon, lui dire qu'on va... d'abord, avant tout, il faut dénoncer ça à la police. Ça, c'est la première démarche à faire. Ne pas dire non, c'est du Khilul Hashem, etc., etc. Ça, c'est les meilleures manières de camoufler l'histoire. De suite, aller à la police. Si c'est... Et la police, elle sait y faire. Comptez sur elle, elle sait faire ses enquêtes. Et s'il se tient à la tête de cette secte un arnaqueur, elle saura lui rendre son compte. Donc, on va entrer maintenant dans le sujet de notre conférence. Donc, le Rav Kook, lui, il préconise. Lui, d'avoir une approche totale envers Knesset Israël. Alors regardez, c'est pris du même livre dans Oroth, le chapitre qui s'appelle Oroth Atria, paragraphe 24, carte de la lettre. Ashrei shechoshev atzmo keshiraim legabe Knesset Israël. Heureux l'homme qui se considère comme une miette ou des miettes envers Knesset Israël entière. C'est pas par hasard que le Rav Kook se sert de ce terme, shiraim. Si vous connaissez le mouvement chassidique, il y a ce qui s'appelle un tish. C'est quoi un tish? Ben, il y a une sorte d'amphithéâtre, et au bas de la salle, le rabbi mange, et quand il termine son repas, ou bien un mi-repas, il prend quelques bouchées de pain, il les jette, et tout le monde accourt pour essayer d'avoir une miette de pain, et de manger des restes du rabbi, les shiraim, et par là même de s'élever. Donc le Rav Kook, là, il fait une sorte de jeu de mots, et de dire comme ça, heureux l'homme qui se considère comme des miettes. Non pas aller manger les miettes du rabbi, mais toi tu es une miette de Knesset Israël. C'est comme ça que tu dois te considérer. Que l'existence réelle et absolue, c'est Klal Israël, et moi je suis une petite miette de Knesset Israël. Ça veut dire, tant que je pense que j'ai une entité individuelle, je suis dans l'erreur totale. La seule et unique entité réelle, c'est l'entité de Klal Israël. Comme si on dirait, il y a le soleil et il y a des rayons de soleil. Mais c'est une erreur de dire des rayons de soleil. Il y a le soleil qui rayonne. Un rayon de soleil n'existe pas. Ce qui existe, c'est le soleil. Et le soleil rayonne. Donc il rayonne, il passe par la fenêtre. Et si la fenêtre est rouge, alors on a comme l'impression que le rayon de soleil est rouge. Donc l'âme d'Israël collectif qui traverse toutes les générations, qui s'appelle Knesset Israël ou qui s'appelle Shrina, pénètre mon corps et l'illumine. Et de manière allégorique, j'appelle ça mon âme. Mais en fait, je n'ai pas d'âme. L'âme, elle est nationale, collective, éternelle. Elle pénètre mon corps et le fait vivre. Donc c'est en tant que tel que je dois me considérer comme une miette de Knesset Israël. Shehi nachalat Hashem. Qui elle seule est l'héritage de Dieu et aucun autre individu dans ce monde. Maintenant, comment ceci s'exprime dans le concret, dans le journalier? Shekol marchavot levavo. Toutes les pensées de son cœur. Et Gionostav, ses réflexions. Chevso, son désir. Sheifato, son aspiration. Emunato verayono, sa foi, sa pensée. Enam kim cheshek tamir. Tout cela ne réalise qu'un seul désir enfoui au plus profond de sa personnalité, l'ikalel kulo beotzar haimze, d'être totalement intégré dans ce trésor de vie qui s'appelle Knesset Israël. Se dire, je n'ai qu'une chose dans ma vie, je vis de Knesset Israël et je vis pour Knesset Israël et je n'ai rien d'autre. C'est le seul sens à ma vie, c'est la seule chose qui me donne envie de vivre, c'est la seule chose qui me donne satisfaction, bonheur, et toute autre chose dans ce monde. L'itrased imkan dile. D'être acide. Avec le nid de Dieu. Quel est le nid de Dieu? Knesset Israël. Knesset Israël, c'est la Shrina. C'est l'âme collective du peuple d'Israël. Donc la métaphore est la suivante. Que il y a un œuf qui est dans le nid. Et l'oiseau qui couvre l'œuf. Et à un certain moment, l'œuf éclore, et de là sort le Mashiach. C'est ce qui est marqué dans le Zohar. Le nid dans lequel se trouve cet œuf, c'est la collectivité du peuple d'Israël. Et le messianisme sort de Knesset Israël. Et l'oiseau qui survole et qui couvre, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc Knesset Israël, c'est son nid dans lequel il réchauffe petit à petit le messianisme.
Donc, si je veux être racide, je dois être mitracède, empli de bonté, de générosité, d'amour, de fonte totale envers le nid d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'âme collective du peuple d'Israël. Akara penimit, cette connaissance intérieure, qu'on pourrait traduire aujourd'hui en hébreu, en français simple, cette intuition. Shinenu srigim, qu'en fait nous ne réalisons que des brindis, mais etzachaim, de l'arbre de la vie, qui cet arbre de la vie, rav daliot vesagipri, qui a énormément de branches et de ramifications et de fruits. C'est quelque chose d'énorme. Et dans cette chose énorme qui est cet arbre grandiose, je suis une toute petite brindille. Chez Kol Machanou Yoter Me'orim Begoufosh et Lilan, plus nous nous ressentons totalement intégrés dans le corps de cet arbre, Inenuchayim. Ce n'est qu'alors que nous, véritablement nous vivons. Inenuchayim et Tachayim Ayoter Shlemim Verananim, nous vivons la vie la plus parfaite et la plus fraîche. Bahové ou Banetzach, aussi bien dans le présent que dans l'éternité. Ça veut dire avoir part au monde futur, si je suis intégré totalement dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes aspirations dans le Knesset Israël, vu que le Knesset Israël est éternel, c'est comme ça que je resterai pour l'éternité. Mais dans cette pensée, plus on arrivera à développer cette pensée dans la tête des Juifs. Itavi et Triataouma le Megamata. C'est elle qui amènera la résurrection de la nation à son objectif final. C'est-à-dire tout notre rôle aujourd'hui en tant qu'enseignant de la Torah est d'amener les Juifs qui jusqu'à présent avaient développé une fausse approche de croire qu'ils avaient une entité individuelle, et bien qui s'élève à comprendre que la seule et unique entité réelle est l'entité collective éternelle d'Israël, qui, elle, rayonne dans chacun de nous. Lorsque tous les Juifs s'élèveront à ce niveau, c'est ça qui déclenchera et qui accélérera le processus de notre résurrection nationale, qui n'est autre que la Géoula du peuple d'Israël et la Géoula de l'humanité entière. Hi ve'ar hi. Elle est seulement elle, c'est-à-dire cette conception. Takit et taket. Va éveiller l'ère de la fin des temps. Très souvent, on voit dans les sources saintes à Ketz Megoulé, qui veut dire la fin des temps. Ketz, ça veut dire la fin, mais ça a aussi une connotation de Lehakitz, qui veut dire réveiller. Et bien, très souvent, dans les écrits du Rav Kook, on voit que lui, il interprète plus le mot Ketz que fin, plutôt par Lehakitz. Ça veut dire que nous étions dans une torpeur totale pendant 2000 ans, et aujourd'hui, on se réveille de cette mort et on commence à revivre. Donc dit le Rav Kook, Mayakit et Taketz, qu'est-ce qui va éveiller le peuple d'Israël et de rentrer dans cette nouvelle ère messianique, qui est un avancement de l'histoire humaine, c'est cette conception. Ça veut dire, plus nous développerons dans le peuple d'Israël la tendance nationale, et d'éradiquer totalement la fausse conception de l'individualisme, qui n'est pas du tout adéquat au peuple d'Israël. Chez les goyim, il est tout à fait adéquat parce qu'ils n'ont pas d'âme collective, donc ils n'ont qu'une entité individuelle. Mais le peuple d'Israël, Amzu Yatsartili, ce peuple, je l'ai créé, pas ces individus. Le peuple n'est pas une addition des individus, mais une âme collective qui rayonne dans les individus. Chez Lavanu Orgim, c'est cette fin des temps envers laquelle nous avons tellement de languissement. Vetitelanu Chosen Ishuot. Et c'est elle qui nous donnera toute la force de la délivrance. Ça veut dire, si on veut aujourd'hui accélérer le processus de notre Géoula, ce n'est pas spécialement, dans un premier temps, en amenant tous les Juifs à faire les mitzvot, ou bien leur mettre les tefilines, ou bien les faire sauter avec joie, etc. Mais de développer en eux cette véritable conception de leur être, qui ne sont que le rayonnement de la collectivité éternelle du peuple d'Israël, et c'est ce qu'on appelle dans un langage moderne la tendance nationale. Vasridim Asher Hashem Kore, c'est les grands tzadikim de la génération. Chassidé Ador, les chassidim, c'est-à-dire les amants de Dieu de la génération. Kdoshe Elion, les saints les plus suprêmes. El Listakel Bishum Rigiraon,
ne doivent regarder aucun défaut du peuple d'Israël. Arrêtez de critiquer le peuple d'Israël. Beshtsum tzatzlili shelkon nefesh m'Israël. Et ne voir aucun aspect négatif de toute âme du peuple d'Israël. Adveka bezedevek metzum marsavta. Vous voyez là, il met une certaine condition. Envers qui on doit avoir cette approche? De ne voir que le bien? Tous ceux qui sont profondément liés à la nation. C'est-à-dire tous les juifs aujourd'hui qui se sentent concernés profondément par le peuple d'Israël. Envers eux, on a cette approche d'amour inconditionnel, de ne voir que le positif. Alors vous direz, alors qu'adviendra-t-il d'eux? Ils resteront toujours dans le péché, dans la faute, dans les mauvaises traits de caractère? Non. Kimla lot et anekuda klalit. Tout ce que nous devons faire, c'est de mettre en relief, de mettre en évidence le point collectif qui se trouve dans leur personnalité. Et ce point collectif qui se trouve dans leur personnalité, c'est Knesset Israël. Envers qui Akadosh Baruch Hu dit Kulach yafa ra'yati umum en bach. Tu es toute belle, ma bien-aimée. Et il n'y a aucun défaut en toi. C'est la perfection divine. Donc plus tu l'amènes à une prise de conscience que la réalité de son existence, c'est Knesset Israël, automatiquement, cet élément de sa personnalité qui est essentiel aura le dessus et fera lumière et écartera les ombres de sa personnalité. C'est-à-dire, c'est le programme de Chazara Bitshuva du Rav Kook. C'est comme ça qu'on fait Tshuva à cette génération. Non pas en leur faisant des réprimandes, en les apeurant, que si tu es Mechal el Shabbat, tu seras grillé au Guéhinnom, et toutes sortes de discours de ce genre, non. Élever la confiance en eux-mêmes, les faire grandir, les amener à une prise de conscience de la grandeur infinie qui se trouve au fond de leur personnalité, qui est Knesset Israël. Et lorsque cette conscience sera prise, automatiquement, ça écartera d'eux-mêmes toutes les faiblesses. Kimla lot et anekuda klali shebekol neshama. Élever le point général qui se trouve dans toute âme individuelle. Évidemment, comme j'ai dit précédemment, c'est une manière de parler qu'on dit neshama pratit. C'est-à-dire la neshama klali qui rayonne dans l'individu. Berum gova. Élever au plus haut niveau. Arrêtez de faire des discours de pacotille. Allez puiser les thèmes qui se trouvent dans les profondeurs de la Kabbale et de les propager dans le peuple d'Israël de manière intelligible, pas en disant toutes sortes de formules mystiques, avec un message clair, compréhensible et ressenti. Ahava biltik voulit el haouma, l'amour infini que nous ressentons envers la nation. Et regardez comment il a défini la nation. Em achayim shelanu, qui est la mère de notre vie. La nation est notre matrice. Nous sortons tous de cet utérus qui s'appelle la nation d'Israël. C'est elle la source de notre vie. Donc cet amour que nous ressentons envers elle. Ena yechola lipachet. En aucun cas ne pourrait être amoindri, mais shom siba. Avec aucune cause n'est valable pour amoindrir notre amour. Cet amour doit être inconditionnel. Mishum tziba vekishalon sheborlam, aucune cause, aucune défaite, aucune faute dans le monde. Tout comme Dieu voit le peuple d'Israël. Dieu dit à propos du peuple d'Israël, lo ibit aven beYaakov. Dieu n'a vu aucun défaut dans Jacob. Jacob et sa descendance. Velora amal beYisrael. Il n'a vu aucune tendance mal dans le peuple d'Israël. Pourtant, il n'est pas aveugle. Il sait très bien que les faiblesses, parfois, c'est une quête de grandeur qui ne sait s'exprimer et donc qui déraille dans des faiblesses. Mais tout provient d'un élan de grandeur, d'un élan d'aspiration vers le bien. Dieu sait sonder les cœurs. Donc de la même manière que Dieu regarde le peuple d'Israël, les tzadikim, tous ceux qui étudient la Torah, et tout être juif, de développer ce même regard envers le peuple d'Israël. Loibit aven Yaakov elora amal b'Israël. Hashem Elohav imo. Dieu est avec lui. Ou troat melechbo. Troat melechon rea. Rea, c'est-à-dire un ami. Une amitié profonde du roi se trouve en lui, dans le peuple d'Israël. Mitnasim anu. Nous nous élevons. Mais alkol marchavot asitna
toutes les pensées de mesquinerie chez la Havana Chitrit qui découle d'une compréhension superficielle des textes. Parfois, il y a certains textes qui pourraient nous tromper, comme il y a marqué « Kol Rishaim Yashmid », etc. « Tachlit Sina Sinetim ». Donc quand parfois tu lis les textes au pied de la lettre, tu risquerais de mal comprendre et de développer une approche pas tellement chaude envers le peuple d'Israël. Aussi bien dans la Torah chez Birtav que la Torah chez Béalpé, et le Rav Kouk en parle plus loin dans le livre de Orot Israël. En fait, c'est un examen que Dieu nous fait, un piège en quelque sorte qui nous tend pour voir si on va tomber dans le piège et en arriver à attiédir notre amour envers Israël, ou bien de nous élever et de comprendre profondément ce que veut dire ce message pour amplifier davantage notre amour de manière essentielle et non pas de manière accidentelle envers le peuple d'Israël. Donc c'est ce qu'il est en train de dire là. Mitna Siman. Regardez aussi, on peut apprendre dans la manière de Rav Kook formule ses textes, aussi des techniques didactiques. Je m'explique. Si je vous dis, vous devez faire ça, automatiquement, il y a une réaction contraire. Qui laisse bon pour donner des ordres. Si par contre je dis, vous faites ça, tout en sachant que vous ne le faites pas, et je vous complimente de le faire, et bien vous vous sentez mal dans vos pompes, comme on dit, et vous allez le faire. Donc c'est une approche didactique. Quand tu veux amener quelqu'un à faire le bien, ne lui dis pas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Tu dis, n'est-ce pas que tu fais ça? En effet, tu fais ça, Nahon. Il va se sentir mal dans ses pompes. Ah, il me considère si bien. J'ai honte de ne pas être à cette hauteur. Ça m'amène à m'élever. Alors, regardez comme le Rav Kook, en fait, il donne là des directives, sachant qu'il est l'envoyé de Dieu pour éclairer notre démarche de la Renaissance nationale, en toute conscience. Il le sait parfaitement, le Rav Kook. Il écrit même dans Yigrot, « Ki adati ki le mihya shelachani Hashem. » Je sais parfaitement que Dieu m'a envoyé pour alimenter cette génération, les Michia, comme Yosef qui a alimenté l'humanité entière lorsqu'elle était dans la détresse. Donc il dit comme ça, nous nous élevons. En d'autres termes, il veut dire, élevez-vous, vous les rabbins. Mitnasima nous malkol marchavot asidna. Nous nous élevons en-delà de toutes les pensées de critique, de mesquinerie. Chez la Havana Chitrit qui découle de compréhension superficielle, chez Tosimba Moussarim ou Mamarim Yichadim qui pourrait découler ça et là d'articles qui apparaissent ou bien de versets dans la Torah écrite ou dans la Torah orale. Chez Mororim Aliadam Kaz Vesinatachim qui pourrait éveiller de la colère et de la haine entre les frères. Donc écartons-nous de ces compréhensions superficielles et non réelles. Et bien au contraire, mêlé ratson, nous devons être emplis de bonne volonté envers tous les juifs et par élargissement envers tous les êtres humains. Veshikuyet al chassadim et abreuver tous de la rosée de la bonté. Adirim, extraordinaire. Inenu shavim lechabek vizrot ahava, nous venons enlacer avec des bras d'amour. Et kol haneshama de Beit Yaakov, toutes les âmes de la maison de Jacob. Ahafetza lirot besimchat goyen, qui désire dans cette génération profondément voir la joie de notre peuple. Car de manière presque totale, on peut dire, tous les juifs qui se trouvent aujourd'hui en Eretz Israël sont prêts à tout instant de tout faire et de tout donner pour le bien de la nation. Ce qui n'était pas toujours le cas dans toutes les générations de l'exil. Ce qui caractérise ces générations et qui nous donne le mérite d'être délivrés par Dieu, la Géoula, c'est cette volonté inconditionnelle de procurer le bien au peuple d'Israël. Et de proclamer la louange de Dieu dans notre terre, dans notre peuple, etc. Alors il y en a qui diraient, cette approche est un petit peu naïf, au contraire, il faut les secouer les juifs pour qu'ils font les mitzvahs, etc.
Et comment ils vont faire Chive si tu parles de cette manière? Tu ne fais que déployer ton amour, alors tu les laisses baigner dans l'ignorance et dans la saleté, dans la pureté. Non, il faut hurler et leur faire peur du guéhinnom, etc., etc. On connaît déjà cette musique. Dit le Rav Kook, connaissant lui aussi à son époque la même musique qu'il n'a pas arrêté de chanter jusqu'à présent. Davka mitocha ava nehemana. Bien au contraire, spécialement nous basant sur l'amour fidèle, mitocha kavod, et en déployant de, comment on dit, du kavod, du respect, ayoter mesurim, les plus dévoués, bechol chom veruach nefesh, avec une chaleur d'esprit, inenu ba'im lachizat teshuva, partant de cette approche, nous venons proclamer la teshuva. Et non pas en étant énervé, en étant déçu et en étant haineux. Non, en étant empli d'amour inconditionnel du peuple d'Israël, et le cœur ressent le cœur. Et alors, lorsqu'on parle de Teshuvah, les cœurs ressentiront que ça provient d'une source pure par amour inconditionnel. Alors, cela fera son effet. Inenu ba'im la'achriz à la Teshuvah. Et la Torah, la mitzvah, renforcer les gens à étudier la Torah, à appliquer les mitzvot. Et la Kodesh va'emouna à tout ce qui est saint, à la foi. Et le Moresh et Avot, à la tradition de nos pères, ou Massoret Gdoumim, et les traditions les plus anciennes. De manière générale, El Or Hashem Elo Israël, de tous les ramener vers la lumière divine, le Dieu d'Israël. Amofia Alamo, qui aujourd'hui est en train d'apparaître sur son peuple, après 2000 ans d'exil, qu'on avait presque l'impression que Dieu avait tourné son visage du peuple d'Israël et nous avait abandonnés, c'est ce que prétendait du moins le christianisme. Voilà qu'Akadosh Baruch Hou nous regarde aujourd'hui avec amour et œuvre constamment pour notre délivrance. Amofia Alamo. Cette lumière divine qui apparaît aujourd'hui sur son peuple, Valarzo, et sur sa terre, qui était une terre aride et morte, et qui refleurit et qui devient aujourd'hui un paradis terrestre. L'Ehad, pour l'éternité, Begeon Uzo, avec toute la fierté de sa puissance. Donc pour conclure, Nitrachekna Mekoltina, écartons-nous de toute haine, de toute mesquinerie. Nitromem Mekolkatnout, élevons-nous de toute petitesse. Petitesse d'esprit, petitesse de cœur. Mikol katnout moach velev. Nitale mikol tsina vekantourir. Élevons-nous en delà de toute haine, de toute mesquinerie, de toute critique mal placée. Et bien au contraire, nispogna et avaranana. Soyons une éponge emplie d'amour, frais, emplie de fraîcheur. Mimekor edna, de la source de toute pureté et de toute allégresse. Et de toute fraîcheur. Narkiv est en fait à chesed al chercher adéa. Faisons chevaucher les branches de la bonté sur les racines de la sagesse. Ça veut dire, pour pouvoir faire véhiculer la sagesse divine dans les cœurs et dans les esprits des juifs, ça doit provenir d'abord avant tout d'une bonté de cœur. C'est pas par peur ou par conformisme ou bien pour ne pas profaner la Torah, etc. C'est par amour des juifs, par une compréhension profonde qu'ils sont en détresse, qui se portent atteinte à eux-mêmes, et par amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on vient à leur secours. Et le cœur ressent le cœur. Et od hachofesh al hadrat haseva. Aussi, il faut savoir composer la splendeur de la liberté que notre génération veut tellement. Après 2000 ans d'exil dans lequel on était totalement opprimé, la jeunesse veut aujourd'hui être une jeunesse toute libre de toute oppression. Eh bien, mêlons ça de manière harmonique avec la splendeur de la vieillesse qui, eux, nous ont transmis la tradition de l'halakha et des bonnes vertus, etc. Et c'est comme ça que le Rav Kook a pris sur lui, durant toute sa vie, de composer entre ce qui s'appelait à l'époque le Yishuv Hayashan et le Yishuv Hadash. Ça veut dire l'implantation des juifs anciennes, qui étaient faits de juifs pieux qui ne s'adonnaient qu'à l'étude de la Torah et l'édification de leur personnalité, mais qui n'avaient aucune, disons, se sentaient pas du tout concernés par la Renaissance nationale. Et à côté de cela, il y avait des juifs qui, eux, se disaient être mécréants, mais qui étaient prêts à un dévouement inconditionnel pour le bien de la nation, la rénovation de l'installation du peuple d'Israël sur sa terre,
et un écart total entre ces deux groupes. Le Rav Kook arrive exactement à ce moment-là, et lorsqu'on lui propose d'être rabbin, il refuse d'être rabbin de Jérusalem. Il dit non, je vais être rabbin à Yafo. Yafo, c'était le centre nerveux, on va dire, de la Renaissance nationale, géré par les mécréants. C'est là-bas que je vais être rabbin. Et non pas, ils seraient venus à Jérusalem, ils auraient été roches et Shiva, ils seraient coulés douces en étudiant la Torah toute la journée, en enseignant la Torah toute la journée. Non, ils voulaient être au cœur de l'action de la Renaissance nationale et comme ça, faire connaître à cette jeunesse emplie d'idéal les fondements les plus profonds de la Torah et de le ramener vers le judaïsme. Et c'est comme ça qu'il s'est investi totalement. Pour réunir les aspects positifs de cela, les aspects positifs de ceci, et construire l'unité du peuple. Shel Imoun. Imoun, ça veut dire une confiance. Shel Kavodorim. Respect des parents et des enseignants, Omorim. Asher l'Amatik, envers ce peuple antique. Atzil, noble, Ve'etan, et puissant et stable. L'Etria est un azou. Kroimanu Ve'le'anavo. Nous sommes tous interpellés et appelés à œuvrer pour cette renaissance puissante. Et sans aucun doute, nous y arriverons. Eretz Avot, la terre de nos ancêtres, Achamouda, qui nous est tellement chérie, Eretz Chachayim lanu, qui est la terre de notre vie, Itachirenu, elle, la terre elle-même, la sainteté de la terre d'Eretz Israël, nous amènera à être apte à cette élévation spirituelle. C'est-à-dire d'être capable d'enlacer avec amour tous les juifs sans aucune distinction. Nous n'étions pas capables en exil. En exil, chaque juif ne vivait que sa dimension individuelle. Et lorsque une communauté est en détresse, eh ben la communauté juive du pays d'à côté n'est pas venue à son secours. Parce que les juifs n'avaient pas cette conception au corps national. En Eretz Israël, nous arriverons tous à nous élever à cette conception nationale. De comprendre que tous pour un et un pour tous, et tous ensemble, nous constituons le peuple d'Israël. Itachirenu, donc cette terre sainte, a cette capacité de nous rendre aptes à cette élévation, l'élévation la plus haute. Elohenu Olam Vaed, notre Dieu pour l'éternité, ou Inargenu Almut, c'est lui qui nous dirigera de manière infinie, éternelle, immortelle, etc. Donc, tout ça j'ai apporté pour expliquer ce qu'il a dit là à la fin du paragraphe précédent. C'est après qu'il a fait sa critique. Qu'en aucun cas on devrait avoir une vécu pnimite avayatit, c'est-à-dire de te fondre totalement dans la personnalité d'un rabbin. Par contre, il termine, Ashrem Israël Shem Dvekim Ben Neshamat Ha'uma. Heureux sont les juifs qui, eux, s'accolent à l'âme de la nation. Et envers elle, oui, on doit et on peut développer une vécu pnimite avayatit. Et là, il nous a imagé un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être conscient constamment. Et vive cette conscience de manière très forte, et ce sentiment de manière très forte, constamment. Que moi, en tant qu'entité individuelle, je n'existe pas. Je ne suis là que pour le peuple d'Israël. La seule existence, c'est que là, l'Israël est Dorotav, qui rayonne dans ma personnalité. C'est elle qui m'a donné vie, et j'œuvrerai toute ma vie pour renforcer le peuple d'Israël et l'amener à son objectif ultime, qui est la délivrance du peuple d'Israël, qui amènera finalement, la délivrance du peuple entier. Top, Shabbat Shalom. Je remets l'annonce pour ceux qui ne l'ont pas vu au début. Et je vous conseille vivement d'y participer. Par expérience, tous ceux qui sont venus ont toujours été très satisfaits et très heureux. Shabbat Shalom, il y a du travail à faire. Hein. Shabbat Shalom. On essaie tant bien que mal de le faire. Top, Kol Tov. Shalom, Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Recording stopped. Shabbat shalom à tous. Il y a le cours du Rav Ackerman qui commence tout de suite. Tov, kol tov, shalom, shalom.